démocratie a cette particularité, parmi tous les objets qu'on peut se proposer à la réflexion, d'être une notion piège. Sur le papier, rien de plus simple, rien de plus clair, rien de plus évident que la notion de démocratie. Comme d'ailleurs, rien de plus transparent à première vue que la notion d'autonomie. Qu'est-ce que la démocratie ? Je crois que la définition de principe en a été donnée une fois pour toutes par la formule fameuse de Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Bon, tout ça est donc très clair, inutile d'aller chercher plus loin. Le piège de la notion de démocratie, c'est de se présenter comme quelque chose qui, au fond, n'a pas besoin d'une réflexion sur ce qui lui permet d'exister. Alors, la question commence tout de suite en réalité, parce qu'on dit, mais alors, si c'est ça, pourquoi ça n'a pas existé depuis toujours ? Ce qui aurait été, après tout, normalement, le corrélat de cette définition limpide. Ce n'est pas le cas, on le sait. C'est même un miracle assez récent, même s'il a eu des percées, la percée grecque, bien entendu, il y a fort longtemps. En réalité, sous cette transparence se cache un abîme, et un abîme historique. Et au fond, toute l'histoire de la démocratie, on pourrait la ramener à un heurt constant entre les aspirations que la définition formelle qu'on vient de donner, mais normalement dans le débat public, et des conditions pratiques qui font que c'est jamais comme ça que ça se passe, et que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, il est à ce jour très loin d'être réalisé. C'est très exactement cette aporie que j'ai essayé d'éclairer. Pourquoi cette difficulté à réaliser concrètement quelque chose qui paraît si simple sur le papier ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut un long détour historique qui oblige à se demander pourquoi toutes les sociétés humaines n'ont pas été démocratiques. Ce qui est l'indignation des enfants d'aujourd'hui. À l'égard du passé, mais qu'est-ce que c'est barbare, épouvantable. L'histoire humaine est inintelligible, vu de la conscience démocratique d'aujourd'hui. On se demande pourquoi ça a pu être comme ça, sinon par un inexplicable obscurantisme dont les raisons ne sont pas claires. Parce qu'il ne suffit pas de faire appel à l'absence de lumière ou d'éducation. Ça va plus loin. Et puis d'autre part, il s'agit de comprendre, outre ce passé, ce qui est manifeste dans l'histoire récente de la démocratie, si je puis dire depuis qu'elle est établie, disons depuis un siècle ou deux, il est manifeste qu'il y a des transformations très profondes qui interviennent. Qu'est-ce qu'on fait de ces transformations qui font que le sens même du mot a considérablement évolué, comme on le sait, disons depuis la Révolution française, pour faire simple. Ce que j'ai essayé de mettre en lumière, c'est d'abord les origines de la démocratie moderne. Et parce que, évidemment, une des difficultés classiques pour la philosophie, c'est le rapprochement et la différence entre la démocratie des anciens, la démocratie grecque, et la démocratie moderne, la nôtre, qui est extrêmement différente. Mais en quoi consiste cette différence ? Puisqu'au fond, les principes pourraient être les mêmes. Les origines de la démocratie, et d'autre part, mais les deux questions sont intimement liées, les bases de la démocratie. Parce que ce qui fait obstacle à cette réalisation de la démocratie directe, dont j'étais un fervent partisan dans ma jeunesse en tant qu'héritier de tout ce mouvement conseilliste qui a irrigué l'extrême-gauche depuis du XXe siècle, ce qui empêche cette démocratie directe
de s'exercer, c'est en même temps ce qui permet à la démocratie comme phénomène historique d'exister. Et c'est ce travail d'éclaircissement que j'ai essayé de mener. On peut le ramasser dans une formule très simple. Sous la démocratie des principes, qui sont très simples, un homme, une voix, la participation de chacun à la décision du peuple encore. Sous ces principes, pour qu'ils s'exercent, il y a une transformation des structures collectives. La démocratie, c'est un phénomène de structure profonde des sociétés. Et ces structures, elles ne s'éclairent que quand on les considère dans leur déploiement historique sur quelques siècles, 5 siècles hein, à peu près, dans l'histoire moderne. Je vais revenir, parce que cette histoire permet d'éclairer en retour la différence avec les Grecs. Ce déploiement historique est celui de structures profondes liées au phénomène que je propose d'appeler « sortie de la religion pour échapper aux impasses des concepts qu'on utilise plus habituellement, et notamment celui de sécularisation, auquel on peut faire dire des choses en fait très différentes. Sortie de la religion, c'est beaucoup plus clair. Ça permet de comprendre ce qu'ont été les sociétés du passé, comme des sociétés organisées par la religion. Ce n'est pas des sociétés où les gens avaient des croyances religieuses, ils en avaient. Mais le point principal, c'est la manière dont ces croyances se matérialisaient, pour ainsi dire, dans la vie collective, en déterminant un type de pouvoir, un type de rapport entre les personnes, une forme des communautés, et peut-être le plus important, un type d'inscription des sociétés dans le temps, sous le signe de l'obéissance au passé, à la tradition. La modernité occidentale, celle qui commence à émerger à partir du XVIe siècle, hein, pour faire simple, c'est la sortie de cette organisation religieuse et la mise en place d'une autre organisation, d'une autre structuration des sociétés qui, je crois, peut se ramener à 3 grands axes. Un axe politique, pour qu'il y ait démocratie, il faut un type de communauté particulière, ce qu'on va appeler dans la modernité l'État-nation, qui est en rupture avec aussi bien la forme antique de la cité qu'avec la forme classique de la monarchie, dont elle est sortie d'ailleurs, ou a fortiori des empires, qui ont été la forme supérieure, si je puis dire, depuis la naissance des États d'organisation des sociétés politiques. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est cette chose qui nous est devenue totalement banale, mais qui est en fait une des plus grandes révolutions de l'histoire humaine, c'est l'émergence d'un principe de légitimité non religieux. Dans toutes les sociétés connues, sans exception, la légitimité, c'est-à-dire ce qui justifie l'organisation des choses existantes, vient du ciel, vient des dieux, vient des ancêtres, en tout cas du surnaturel. C'est toujours au nom de plus haut que les hommes que l'ordre des hommes se définit, sous des formes qui peuvent être extrêmement, des contenus très variés, mais l'organisation, elle, est toujours la même. Eh bien, la modernité, elle invente un autre principe de légitimité qui va mettre très, très, très longtemps à émerger, à s'installer, qu'on peut résumer dans une expression très simple, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est-à-dire, à l'origine de tout droit et de toute justification de l'organisation des sociétés, il y a les droits détenus d'origine par leur seule existence par les individus qui les font également libres, de telle sorte que tout lien qui se passe entre les personnes est basé sur leur consentement. Elles mettent en commun des droits pour former une communauté, mais elles mettent en commun leurs droits pour former un couple, une famille, pour former une relation marchande. C'est un contrat. Ça devient une autre manière d'envisager
la vie collective, puisqu'elle ne peut être faite que de la participation active et déclarée des individus en fonction de leurs droits. Et puis, et ce n'est pas le moins important, il y a un troisième élément qui intervient dans cette réorganisation de la vie collective, qui est ce qu'on peut mettre sous le mot d'histoire. En s'entendant bien sur ce terme, parce qu'il est évidemment lui aussi un piège, histoire, c'est la définition du monde humain. Il bouge dans le temps, il n'est pas stable. Il existe peut-être une histoire des castors, je ne veux pas insulter les castors, ou d'autres, des abeilles, c'est possible, mais enfin, elle est moins spectaculaire, elle est beaucoup plus cachée. L'espèce humaine change. Elle change, mais pendant l'immense majorité de son parcours, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas changer. C'était ça le sens de la tradition. Ce dont nous avons hérité n'est pas à modifier. C'est le modèle hérité du passé qui doit faire loi. Et tout l'effort, d'ailleurs, dans ces sociétés, était pour revenir au vrai modèle d'origine, contre la corruption des acteurs, pas à la hauteur des modèles dont ils avaient hérité, des héritiers infidèles. Les sociétés modernes, elles se caractérisent par tout à fait l'inverse, c'est-à-dire non seulement l'acceptation de leur changement, la découverte intellectuelle de ce changement, qui va donner naissance aux sciences historiques telles que nous les connaissons. Il y avait avant des gens qui racontaient ce qui s'était passé, mais ça n'avait rien à voir avec ce que nous mettons, nous, sous le mot de sciences historiques. Mais surtout, c'est l'organisation des sociétés pour se changer. C'est ça la particularité la plus massive des sociétés modernes, parce que ça modifie complètement en permanence les conditions de vie. Et c'est là où la rupture avec le marxisme est la plus claire. Pour Marx, il a une claire conscience de ce changement. Mais pour lui, c'est l'économie, c'est la base qui le détermine. Il y a une sorte de pression, en quelque sorte, qui fait naître à la fois l'accélération du changement et la conscience de ce changement et la possibilité donc d'aller par un bond supérieur en-delà par ce qu'on avait appelé la révolution. Il se trompe sur un point, c'est en amont que les choses se jouent dans une espèce de décision collective d'organiser les sociétés pour leur propre changement, et pas seulement dans l'ordre économique, dans tous les registres, y compris, pour finir, dans la propre vie des individus. Il faut se changer. On n'a pas à obéir à des modèles du passé, il s'agit d'inventer en fonction de la projection dans l'avenir. Et c'est ça qui va donner toute sa place à l'économie. En quelque sorte, les origines du règne de l'économie moderne sont culturelles et non pas économiques. C'est pas l'économie qui, par son propre mouvement, a engendré le dynamisme, c'est ce projet de dynamisme qui a mis l'économie au premier plan. Et avec une force, évidemment, de changement qui est la caractéristique majeure des sociétés modernes. Quand on a ces éléments, ces trois éléments, on a les bases structurelles de ce qu'on appelle la démocratie moderne. Et on a d'ailleurs, une digression au passage, mais importante, pour clarifier les choses, on a la clé de la différence entre ce qu'on va appeler la démocratie des modernes et la démocratie des anciens, la démocratie grecque, la démocratie athénienne. Première différence, la forme politique. La cité grecque, ça n'a rien à voir, ni par les dimensions, ni surtout par la définition, avec les États-nations des modernes. Deuxième différence, le droit universel. On apprend évidemment aujourd'hui aux enfants des écoles que ces Grecs, ils étaient très sympas, mais quand même, les femmes, les esclaves, tout ça, c'était pas très cool. Ça va beaucoup plus loin. C'est que s'il y a une notion qui était étrangère aux Grecs, c'est l'idée d'un droit universel des individus. Évidemment, ce qui faisait la citoyenneté grecque, c'est le fait d'être membre de la cité, de la polis,
du corps du peuple. Troisième différence, l'histoire. Alors ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est complètement étranger à l'univers intellectuel et à l'univers pratique des Grecs, même s'ils avaient une activité commerciale. Hein, c'est un peuple... Athènes, c'est la cité du commerce, à beaucoup d'égards. Mais ça n'a rien à voir avec ce projet prométhéen, comme on a pu dire, effectivement, d'une société qui s'organise pour se transformer dans toutes ses dimensions. Voilà, je crois, ce qui fait la ligne de partage entre... Ça permet de clarifier ce problème classique hein, de la démocratie grecque et de la démocratie des Européens modernes. Quand on a ces bases, on a les moyens de ce qui va être, ce qu'on va appeler le régime démocratique. Régime démocratique, il émerge à partir du moment où on met ensemble la forme politique et le principe de droit. Les droits des individus, ce n'est pas simplement un droit abstrait, c'est le droit de participer à la formation de la décision collective, ce qu'on va appeler la volonté générale. Le croisement de ces deux dimensions, ça donne la Révolution française, typiquement. Hein, c'est le moment où ils entrent en télescopage. Mais ce qui va tout compliquer, c'est l'arrivée du troisième élément. Parce que comment s'organise une société qui est faite pour se changer et qui met donc de ce fait la force de changement qui représente l'économie au premier plan. Ça va être le problème hein, de la démocratie moderne depuis la révolution industrielle jusqu'à nous. On y est toujours et plus que jamais. Ça reste le problème. Mais c'est un problème plus général. C'est un problème d'assemblage. Le problème de la démocratie des modernes, c'est de faire tenir ensemble ces trois données qui sont très liées entre elles, qui sont même complémentaires, mais qui en fait sont en antagonisme permanent. Si on laisse faire la structure politique, elle devient oppressive. Et la liberté des individus s'écrase un peu devant l'État. Si on laisse faire les droits des individus, on a une espèce d'anarchie généralisée. Au fond, le climat actuel de nos sociétés en donne à de certains moments l'idée où tout part dans tous les sens et il ne veut même pas former un choix collectif un peu unifié pour rassembler tout le monde. Chacun de son avis, mais personne d'accord avec quiconque. Et puis si on laisse faire cette capacité dynamique des sociétés, il n'y a plus de démocratie. C'est l'auto-engendrement permanent et les capacités de changement de la société qui font la loi sans qu'on puisse rien dessus. Il faut rassembler tout ça. Et c'est ce qui me fait parler de la démocratie comme d'un régime mixte. C'est une vieille notion, elle vient de l'Antiquité. Puisque là, dans le sens d'origine, la démocratie, c'est le régime mixte, pardon, c'est la nécessité de trouver un équilibre entre les trois formes primordiales de régime politique, la monarchie, l'aristocratie, la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir de tous, l'aristocratie, le pouvoir de quelques-uns, la monarchie, le pouvoir d'un seul. Bon, donc il y avait cette idée que pour chacun de ces régimes a des avantages et des inconvénients, mais pour avoir un bon régime, il faut mettre les trois ensemble. Nous retrouvons d'une certaine manière ce problème du régime mixte. Il faut combiner ces trois éléments ensemble pour obtenir une démocratie qui fait droit à toutes ces dimensions. Alors ça veut dire, évidemment, la protection des principes, donc la protection des droits des individus, c'est fondamental, parce que là, si, et en particulier la protection de la minorité contre la majorité, qui est le problème que la démocratie directe ne permet pas de résoudre. C'est une dimension clé, ce qui fait que nous allons vivre dans des régimes libéraux, au sens fort du mot, hein, c'est-à-dire le régime où la sphère des libertés personnelles, dont ceux de la minorité, est protégée
inconditionnellement par rapport à quelques règles que puisse définir la majorité. Ça veut dire que nous allons vivre dans des régimes libéraux au sens où il y a une part de la vie collective qui échappe à la vie politique, réglée par le principe de majorité, mais aussi réglée par le principe représentatif, puisque la politique devient une activité spécialisée dans ce cadre par rapport à la vie de gens qui, dont ce n'est pas la priorité, voire qui sont totalement dépolitisés. Il y a la société civile qui délègue ses représentants au pouvoir, qui doivent protéger la liberté des individus, mais il faut en même temps que la collectivité ait un certain pouvoir sur ce qui se passe dans la vie matérielle de la société, ne serait-ce qu'à cause de toutes les conséquences que comporte cette liberté d'initiative. Il faut se mêler de définir ce qu'est un contrat régulier et un contrat irrégulier, par exemple dans le salariat. Donc on voit tout de suite, à partir de ces données, le régime de tension permanente qui va s'établir entre ces trois pôles. Et c'est ça, en fait, qui est la structure qui est derrière ce principe apparemment simple du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Eh bien oui, c'est ce qu'on réalise, ou ce vers quoi on tend, à partir des questions posées par l'ajustement de ces éléments qui permettent, mais dont on voit que l'équilibre est indispensable pour qu'on approche de cet idéal. Et on comprend aussi à partir de là qu'il y a une histoire de la démocratie, c'est-à-dire de la manière dont, de façon conjoncturelle, tenant à la manière dont les individus conçoivent leurs droits, à la manière dont s'organisent les espaces politiques, à la manière dont fonctionne cette organisation historique, il va y avoir des développements en grande partie imprévisibles auxquels il faut apporter des réponses. C'est ce qui fait qu'on a une structure mobile. Alors, et pour conclure, est-ce que vous pouvez désigner de façon claire et concise le vrai malheur de la démocratie aujourd'hui? Est-ce qu'on peut condenser, si je puis dire, à la fois les impasses de la démocratie du point de vue de ce qu'on pourrait appeler la perspective historique qui peut encore être la nôtre, pour ne pas peut-être en rester à un simple recul? Alors, je crois que nous sommes à un moment assez crucial de l'histoire de la démocratie, qui est un moment de crise et un moment, comment dire, d'incompréhension de la démocratie qu'elle secrète elle-même. D'ailleurs, on peut résumer cette incompréhension dans ce qu'on pourrait appeler l'illusion libérale, c'est-à-dire l'idée que la démocratie, c'est au fond un marché des libertés individuelles. Et en même temps, on voit qu'il y a forcément autre chose, parce que quand on établit ce marché, tout le monde est très frustré de ne savoir où on va. Donc, la démocratie, ce n'est pas une chose, c'est deux choses. C'est le règne des libertés individuelles, certainement, mais c'est à partir de ce règne des libertés individuelles la fabrication d'une capacité d'autodétermination, de construction d'une volonté collective en laquelle tout le monde peut se reconnaître sur la destination que nous prenons. Et le symptôme de base de la crise démocratique aujourd'hui, c'est le sens qui justifie d'ailleurs les critiques véhémentes qui peuvent lui être apportées comme un régime mensonger, en fait, qui promet une chose qui ne tient pas. C'est bien ainsi que la plupart des gens la ressentent, tout en se disant que c'est mieux que rien. C'est ça. Au fond, il y a une sorte... Moi, je ne parlerai pas d'une fatigue démocratique, mais d'un minimalisme démocratique qui est la philosophie ambiante, mais qui ne suffit pas.
La démocratie, c'est la fabrication d'un pouvoir à partir des d'un pouvoir collectif à partir des libertés individuelles. Nous savons protéger les libertés individuelles, nous avons fait d'immenses progrès à cet égard, qu'il faut bien reconnaître, mais nous ne savons plus fabriquer un pouvoir collectif à partir de ces libertés individuelles, et c'est le défi qui est devant nous. Donc, nous ne sommes pas à la fin de l'histoire de la démocratie, mais dans un moment de cette histoire qui en appelle, qui appelle une suite, et c'est-à-dire une reconstruction de la capacité des peuples de se choisir, de se déterminer par rapport à un processus qui leur échappe. Et c'est quand on évoque l'idée d'une pause, qui est très dans l'air du temps, on évoque en fait l'impression que les choses nous échappent et que donc, pour les ressaisir, il faut au moins s'arrêter un peu pour voir où on en est. Mais je crois qu'on peut caractériser ce point où on en est comme le moment d'une contradiction interne, qui est inattendue, entre notre émancipation à chacun et la dépossession collective qui résulte de ces émancipations individuelles, ce qui est au premier regard peu compréhensible. Et pourtant, c'est clair quand on va chercher derrière la manière dont s'organisent structurellement les composantes de la démocratie.